Dieu, ce moment, et que celui qui j'abandonne ce culte entre vol, oui, prends tout, Jésus, pour la navigation, dans le maître, alléluia. Nous avons également pour te toucher, toi, en cette personne, pour en instant de la lettre de Dieu, oui, prends le dernière, je crois, toi, le Père, d'ici, de toucher du Père, à la volonté parfaite, oui, nous te laissons, nous ne gardons rien du tout. Continue à prier dans ce volant du Père, nous allons créer la volonté de nos dires. Nous tournons Dieu vers terre à temps de chercher un dire. L'inspiration, nous voit prier dans sa volonté. Nous vous rencontrons. Qui sommes en ce lieu, au placé, celui qui habite vers toi, peur de démons, de regrets. Vers lui, les regrets. Mettons, le point de honte, tu as essayé avec David chez toi. Je veux, je n'aime le quatrième. C'est lourd. Je t'abandonne, Jésus, Dieu, alléluia, témoin, témoignage, on t'apprête. Parce que qu'il est de voir, de manger, c'est contre Dieu, de jeûner pour lui, de côté. Je veux ce problème, alléluia, je comme sens, et de tout. Si je suis frère, et tu peux crier comme il en sa présence, oh Dieu, aujourd'hui, sonnerise de ses. Une vision que celui qui avait, tu le. Il vous donne le sang, il vous donne. Manière à tes voix, juste de le dire. Tu es mon père, écoute peine, mes souffrances mentaient. Je viens, prête à ton attention. À l'état de tes filles là, je vais rester le. Oui, oui, m'enterrer. Dites-moi, s'il te plaît, en disant, Jésus, dans un petit peu, là, j'ai des 35 ans, il est capable. Tu es déjà aveugle né depuis ta naissance, ce problème, tu l'as trouvé. Tu es aveugle né depuis ta naissance. Ce problème familial, tu l'as trouvé. C'est possible que cela change. C'est possible que cela change. C'est possible que cela change. Il ne suffit que de crier, d'avancer vers lui. Il suffit de crier, d'avancer vers lui. Et dire j'ai besoin de toi, j'ai besoin de te rencontrer, Seigneur. Invite-le, invite-le, invite-le. Dans tes funérailles, il est capable de changer la donne. Dans tes funérailles, il est capable de changer la donne. Dans ta situation, il est capable de changer la donne. Dans ton opprobre, il est capable de changer la donne. Oui, oui. Frère, toi aussi qui nous suis de l'autre côté des médias, c'est possible pour toi. Il est capable de changer la donne. Il n'est jamais trop tard pour lui. Il a dit, tout est possible à celui qui croit. Rien n'est impossible à Dieu. Pour lui, rien n'est impossible. Pour lui, rien n'est impossible. Pour lui, rien n'est impossible. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Je reconnais que tu peux tout et que impossible. Je reconnais que tu peux tout et que rien n'était impossible. Je reconnais, je reconnais que tu peux. Et que rien ne t'est impossible. Je reconnais, je reconnais que tu peux tout. Tu peux le chanter. Et que rien ne t'est impossible. Jésus, je reconnais. Tu peux tout et que rien ne t'est
Je sais que rien ne t'est impossible, Jésus. En ce soir, je suis venu voir ta gloire, oh Jésus. Rien ne t'est impossible, Jésus. Oui, oui, tu peux encore faire pour ma situation. Rien n'est impossible, je le sais, je le crois, Jésus. Rien n'est impossible, je crois qu'en ce jour, il y aura un changement. Malgré la dureté, la longueur, oh Jésus, la largeur. Fais-moi voir ta gloire, Jésus. Je désire voir ta gloire, oh Seigneur. Celui qui a fait de Moïse à Dieu devant Pharaon ce soir. Oh, celui qui a fait de Dieu devant. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Oui, fais-moi voir ta gloire, Jésus. Fais-moi voir ta gloire. Je désire voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Fais-moi voir ta gloire. Puisque rien ne t'est impossible. Fais-moi voir ta gloire. Ta gloire, tu ne la partages pas, mais tu la donnes. Ta gloire, tu ne la partages pas. Si tu es Jésus. Alors, puisque tu la donnes, alors fais-moi voir ta gloire. Je désire voir ta gloire. Je désire voir ta gloire. Je désire voir ta gloire, oh Dieu. Grand Dieu, je désire expérimenter ta gloire aujourd'hui. Aujourd'hui, pas demain, mais aujourd'hui.
expérimenter. Oui, Seigneur. Une nouvelle dimension. Fais-moi voir. Une nouvelle dimension. Ta gloire. Une nouvelle expérience. Je désire. C'est très beau. Seigneur, fais-moi voir. Fais-moi voir ta gloire. En Jésus, en Jésus. Oui, Seigneur, fais-moi voir. Oui, ta gloire. Oui, Seigneur, fais-moi voir. Fais-moi voir ta gloire. En Jésus, Seigneur, fais-moi. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Ta gloire. Fais-moi voir ta gloire, Jésus. Seigneur, fais-moi voir. Ézéchiel a dit, je vis la ta gloire, je réponds. Jésus. De même pour moi aussi, j'ai bien dit. Seigneur, fais-moi voir. Ta gloire. Je veux voir ta gloire, Jésus. Seigneur, fais-moi voir. Ta gloire, ta gloire. Je désire voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Je le crie, Seigneur. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Est-ce que tu peux le chanter avec nous? Seigneur, fais-moi. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. 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 Jésus, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Je t'en supplie, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Je supplie ta gloire, Jésus. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. J'implore ta gloire en ce lieu. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Je suis venu te rencontrer, mon Seigneur. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Je t'en supplie, Jésus. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. J'ai tout laissé pour voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. S'il te plaît, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. C'est ma prière de ce soir. Seigneur, fais-moi voir. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Comme Moïse, je dis, Seigneur. Seigneur, fais-moi voir ta gloire, s'il te plaît, Jésus. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. J'ai laissé le manger, tout ça. Seigneur, fais-moi voir, oui, ta gloire. Je ne dors plus beaucoup, tout ça pour
Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Je me retrouve à tes fils en disant, Seigneur, fais-moi voir, fais-moi voir ta gloire. Jésus, s'il te plaît. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Cette situation a longtemps perduré. Je dis, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Oui, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Je gêne tous les jours disant, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. C'est ma prière de ce soir. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Tu peux le chanter avec moi. Seigneur, fais-moi. Oui, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. S'il te plaît, je veux te voir. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Je désire voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Fais-moi voir. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Est-ce que tu peux commencer à lui dire, je veux voir ta gloire. Dans les 21 jours que nous avons à cet endroit, je ne veux pas quitter ce lieu sans pour autant voir. Je vais mieux dire, sans pour autant toucher à ta gloire. Sans pour autant toucher à ta gloire. Oui, Seigneur, oui, Seigneur. Je veux voir ta gloire. Je veux voir ta gloire. Il y a un frère qui est venu pour voir sa gloire. Il y a une maman qui est venue voir sa gloire. Je ne partirai pas sans avoir vu la gloire du Seigneur. Je ne partirai pas. C'est pour cela que tu es ici. Aide-moi à lui dire, papa, je suis venu pour voir ta gloire. C'est ta gloire qui m'intéresse. Le poids de Dieu. Le poids de Dieu. Le kabod. Aide-moi à insister. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui prie à haute voix? Est-ce que quelqu'un est en train de dire à haute voix? Est-ce qu'il y a une sœur qui est fatiguée de la situation? Est-ce qu'il y a une sœur qui veut dire, j'en ai assez, 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 je veux voir sa gloire. Alléluia, alléluia. Insiste encore, mon frère, à voix haute. Insiste encore, insiste encore, insiste encore. Je veux voir ta gloire. J'allais abandonner. J'allais abandonner. Mais non. J'allais laisser tomber. J'allais laisser tomber. Cette affaire a commencé à me faire mal. J'allais abandonner. Mais j'ai décidé. J'ai décidé de demeurer là. Pour voir la gloire de Dieu. Pour voir la gloire de Dieu. J'ai décidé. J'ai décidé. J'ai décidé. Vas-y, vas-y, prie mon frère. Ma soeur est fatiguée, mon frère est fatigué, elle veut voir ta gloire, je veux te toucher. Qui est celui-là qui prie comme Jésus? Jésus qui priait jusqu'à l'agonie, pour un seul sujet, Jésus a insisté, pour un seul sujet, Jésus a insisté pendant 3 heures. Il ne faisait qu'insister jusqu'à ce que le secours est venu. Dieu a envoyé des anges. Pendant que tu pries,
Il est possible que les anges te visitent, envoyés par le Saint d'Israël. Alléluia. Alléluia. Seigneur. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Oh oui, Seigneur. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Oh oui, Seigneur. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Alléluia. J'allais dire. Je plonge
trouve une paix. Dans ta présence. Et nous avons grandement besoin de toi. Mon frère, ma soeur est venu en ce lieu s'attendant à recevoir quelque chose de ta part. Elle est venue assoiffée avec autant de préoccupations. Lorsque je relis les messages que je ne cesse de recevoir, que ce soit par mail, par les réseaux, encore ce matin, j'ai pleuré quand j'ai entendu ce message qui venait de Lyon. Ce jeune homme qui nous a suivis samedi, dimanche. Père, je peux me rendre compte combien les gens souffrent parfois en silence. Mais nous voulons te dire, nous sommes là.
ne voulons plus souffrir en silence. Nous voulons répandre nos cœurs. Fais-nous du bien en ces quelques instants que nous voulons encore avoir dans ta présence. Père, merci. Merci. Mon ami, là où tu es, calmement prends ta place dans cette même attitude de prière. Merci pour toi qui as acclamé, qui as accompli beaucoup de choses. Merci. Merci. Gloire à Dieu. Nous sommes dans la joie d'être là encore aujourd'hui, lundi, dans sa présence, dans cette attitude. Et nous savons combien ce n'est pas facile. La semaine qui a commencé était tellement lourde. Mais nous avons prié, nous avons pleuré, nous étions à genoux. Et nous voulons lui dire, nous ne voulons pas rater un seul moment. Alors aujourd'hui, nous serons nourris par l'homme de Dieu, l'apôtre Douglas. Aidez-moi à l'accueillir convenablement. Aidez-moi à l'accueillir. Pas Douglas à brocher. Est-ce que Phil, on peut faire mieux que ça? C'était un ami en soutien. Je me souviens en 2014. En 2014, j'étais normal. Un jour, il m'a appelé, il m'a dit, Dieu me met à cœur que tu fasses un séminaire chez moi en 2014. Je lui ai posé la question, mais tu n'as pas vu que je suis un photographe? Elle s'est passée que Dieu m'a montré. Le Saint-Esprit m'a mis à cœur que tu fasses 4 jours d'enseignement chaque dimanche chez moi. Il ne me connaissait pas très bien. Je ne faisais pas encore de longs voyages comme juste après. J'ai pris que vous avez des gens qui ont confiance en vous quand vous ne brillez pas encore. Et ces gens-là, quand vous commencez à briller, prenez-les avec vous. Ils vous ont vu quand vous êtes... Maman, acclame bien. Toi, tu es connecté. Ah, maman, toi, tu es connecté. J'ai pris que vous ayez des amis qui vous connaissent quand vous étiez encore plus bas. Et quand Dieu vous élève, montez avec eux aussi. Parce que c'est des personnes que Dieu a suscitées à dessein, à des moments précis. Homme de Dieu, merci pour cet honneur que tu nous fais là-bas dans ton camp. Merci, Seigneur. Merci pour l'atmosphère de ta présence dans cette maison. Merci pour le Saint-Esprit qui se mouve. Merci pour le cœur assoiffé. Merci pour ce peuple que tu es en train de susciter, Seigneur, pour une mission bien précise et bien déterminée. Je te confie encore nos cœurs dans les quelques minutes que nous voulons intervenir. Laisse que ton esprit parle à travers de nous. Je demande ta grâce, ton onction, l'esprit, l'inspiration venant de toi. Comme il est dit, c'est poussé par l'esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Je prie que tu parles et que tu rencontres quelqu'un, un homme et une femme, au carrefour de ce besoin. Et que tu te glorifies. Voulons sortir de ce temps de retraite, Seigneur, transformé, changé. Seigneur, avec un plus, avec l'étape de l'alliance, avec l'étape de la loi, avec la parole inscrite dans le cœur, avec la bénédiction de l'Esprit, au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Merci de bénir encore le nom du Seigneur pour la grâce qu'il me fait d'être là, en tout cas, pour ce moment. Et je tiens aussi à remercier mon frère, mon ami, le pasteur Nomak. Nomme bien. Amen. Alors vous êtes vraiment béni. Je vois que tu dis à quelqu'un que tu es béni. Parce que j'ai constaté que souvent quand on est quelque part, on ne se rend pas souvent compte. Vraiment, c'est une grâce d'être là. Et je suis vraiment émerveillé, béni de voir tout le travail qui se fait vraiment ici. On nous suit dans les réseaux, sur les réseaux. Et nous sommes vraiment encouragés. Et quand il m'a demandé de passer, j'ai dit, OK, on va venir. Le week-end était vraiment très, très, très occupé, très, très chargé, en mission à gauche, à droite. Et on va, en tout cas, on va être là.
bénissons le Seigneur pour sa grâce. Alors Dieu m'a mis à cœur de parler sur quelque chose, vraiment je pense que ça va toucher quelqu'un. Je vais parler sur le thème de l'implantation de Dieu. Dis avec moi l'implantation de Dieu. Nous sommes dans le livre de Jérémie au chapitre 1er. Jérémie au chapitre 1er. Nous voulons lire le verset 1er au verset 12. Jérémie, chapitre 1er, le verset 1er jusqu'au verset 12. Parole de Jérémie, fils d'Ilkija, l'un des sacrificateurs d'Anathoth dans le pays de Benjamin. La parole de l'Éternel lui fut adressée au temps de Josias, fils d'Amon, roi de Juda, de la 13e année de son règne, et au temps de Joachim, roi de Josias, fils de Josias, pardon, roi de Juda, jusqu'à la fin de la 11e année de Sédécia, roi de Josias, roi de Juda, jusqu'à l'époque où Jérusalem fut emmenée en captivité au 5e mois. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré et je t'avais établi prophète des nations. Et je répondis, ah Seigneur Éternel, voici, je ne sais point parler, car je suis un enfant. Et l'Éternel me dit, ne dis pas que je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche, et l'Éternel me dit, vois, je mets mes paroles dans ta bouche. Regarde, je t'établis aujourd'hui, dis aujourd'hui. Oulala, dis-le vraiment avec conviction, aujourd'hui. Donc Dieu dit, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes pour que tu arraches et que tu abattes et que tu ruines et que tu détruises, ensuite pour que tu bâtisses et que tu plantes. Et la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots, que vois-tu Jérémie? Et je répondis, je vois une branche d'amandier. Et l'Éternel me dit, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Amen. L'implantation de Dieu. Quand on parle de l'implantation, on voit l'action de s'implanter. En d'autres termes, d'introduire ou de faire introduire afin de développer la chose qu'on a fait introduire ou qu'on a introduite. Donc l'implantation sous-entend que Dieu veut commencer une nouvelle œuvre, Dieu commencer un nouveau travail, Dieu veut commencer un projet, Dieu veut faire quelque chose qu'il a en vue, qu'il a en pensée dans son cœur, dans son esprit, dans le but justement de pouvoir se développer et se déployer de manière durable. Implanter ou l'implantation, c'est aussi le fait d'installer, le fait d'établir, le fait de pouvoir fixer quelque chose de manière efficace, de manière solide. Fixer, établir, installer quelque chose de manière solide. Alors regardez au commencement le plan de Dieu. Quand nous parlons d'implantation, nous parlons bien de l'implantation de Dieu, du plan ou du projet que Dieu a pour l'humanité en général, mais en particulier pour son peuple, pour ses enfants. La Bible nous dit que dans Genèse chapitre 1er, le verset 26, que nous connaissons, qu'au sixième jour, Dieu va dire, « Créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. » pour qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout bétail qui se meut sur la terre. Regardez, le plan de Dieu, lorsqu'il t'a créé au commencement de la génération, ok, je vais expliquer quelque chose que vous allez comprendre tout à l'heure, au départ, il y avait le temps de la création, qu'on peut aussi appeler la génération. Dans ce temps-là, Dieu crée l'homme. En créant l'homme, dans Genèse 1, il a créé l'homme et la femme en même temps. Parce que c'était dans l'esprit qu'il les avait créés.
Alléluia. Mais dans la formation, l'homme a été formé avant la femme. Amen. L'homme est venu en premier dans la formation et la femme est venue ensuite comme une aide semblable. Mais dans le plan de Dieu, les deux sont égaux dans l'image de Dieu pour refléter sa gloire sur la terre dans le but de dominer. J'aimerais que tu dises à ton voisin, je suis né pour dominer. Ok, tu ne le dis pas de manière convaincante. Quand tu sais de quoi tu parles, tu le dis avec assurance. Dis, je suis né pour dominer. Enfin, je vais te montrer que le petit démon, le petit péché là, qui essaye de t'embrouiller un peu, toi, tu as la capacité en réalité de dominer ça. Tu as la capacité d'écraser cela parce que l'image de Dieu est liée à la domination. Quand on parle de l'image de Dieu, on voit Christ, car Christ est l'image du Dieu invisible. Donc, tu as été créé à l'image de Dieu, comme Christ dans la gloire. Et le mot gloire nous parle donc du kabod qui est le poids de Dieu, mais aussi du doxa qui est la magnificence, l'éclat, mais aussi l'honneur. Je suis venu dire à quelqu'un, ta nature est une nature glorieuse. Ta nature est une nature lumineuse. Ta nature à l'origine est une nature d'excellence. C'est pourquoi tu dois refuser la médiocrité. La première médiocrité n'est pas d'abord apparente. La première médiocrité, c'est le fait de fuir le péché qui est la saleté, la boue. Oh, je croyais que je parlais à quelqu'un ce soir. Nous sommes la race de ceux-là qui ne vivent pas dans la boue du péché. Nous ne sommes pas des cochons, mais nous sommes des aigles. Est-ce que tu m'entends? C'était ça le plan de Dieu initialement. En étant dans la gloire, l'homme pouvait dominer, l'homme pouvait écraser la nature. Même Satan, qui était le serpent, Dieu lui avait donné la capacité de marcher sur lui. Et regardez une chose. Au verset 28, Dieu va bénir l'homme et la femme. La Bible dit, Dieu le bénit et dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, assujettissez-la et dominez. Nous voyons là l'implantation de Dieu. Dieu crée l'homme comme son vis-à-vis afin qu'il soit son représentant légal sur la terre. Donc tel que tu es le représentant du ciel sur la terre. En d'autres termes, tu es la représentation diplomatique du royaume des cieux sur terre. Tu es la représentation... Oh, tu es un ambassadeur de Dieu dans ta famille. C'est-à-dire que tout le monde doit savoir que tu es différent, que tu es différente à cause de la gloire de Dieu sur ta vie. Et le diable a convoité cela. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va envoyer le serpent pour pouvoir séduire l'homme et la femme. Oh, il est passé plutôt pour séduire la femme. Lorsque la femme a été séduite, ils sont tombés dans le péché. Ils ont mangé le fruit défendu. Il y a eu ce qu'on appelle la dégénération. Dis avec moi, dégénération. Au commencement, c'était la génération, l'origine, l'établissement de choses. Il va y avoir la dégénération. La dégénération, c'est quoi? Ce n'est rien d'autre que la dégradation de ce que Dieu te donne. C'est le fait de chuter de sa position, de perdre l'éclat qu'on avait au départ. C'est ça la dégénération. La dégénération, c'est la dépravation. La dégénération, c'est la perte de ce que Dieu nous avait donné autrefois. On avait le pouvoir pour dominer et le diable, par le péché, a volé ce pouvoir. Voilà pourquoi toute personne qui pratique le péché cède son pouvoir au diable. Ah, mais je me suis déjà révolté. Diable, tu n'as plus le droit de voler le pouvoir que Dieu m'a déjà donné. Et quand la dégénération est rentrée, bien aimé, il y a eu le chaos dans le couple d'Adam et Ève, mésentente. Il y a eu le chaos dans la famille d'Adam et Ève. Caïn va tuer Abel. Regardez toutes les mauvaises choses qui vont rentrer. Le meurtre, tous les problèmes que nous avons dans les familles aujourd'hui. Mésentente, viol, inceste, sorcellerie, tout est venu de la dégénération. Par la dégénération, l'homme se livre au mal. L'homme se livre au péché. Et il se prive de la gloire de Dieu, comme il est dit. Tous son péché sont privés de la gloire de Dieu. Le kabod va les quitter. Bien-aimé dans le Seigneur. Il va y avoir la dégénération dans la première société. Il y a eu dans le premier couple, dans la première famille, mais aussi dans la première société, la société de Noé.
à cause de la méchanceté, Dieu va détruire le temps de Noé par le déluge. Pourquoi? Parce que le péché amène toujours la destruction. Toujours. Si ce n'est pas aujourd'hui, ça sera demain. C'est pourquoi il faut fuir le péché. Dis à ton voisin, tu dois fuir le péché. Alléluia. Et cela a également amené la déchéance dans les nations. Avec l'histoire de Babylone, de Babel dans Genèse chapitre 11. Le monde s'est retrouvé pour pouvoir construire une ville et une tour qui allait toucher le ciel. En d'autres termes, maître, devenir rebelle au plan et à la vision de Dieu. Dieu les a dispersés. Mais j'aime Dieu. Dieu dans son amour. Même quand on tombe, il ne nous laisse pas la tomber. Dieu dans son amour, il a toujours un plan de rédemption. Il a toujours un plan de salut. Or, si ce n'était pas le plan de salut, toi et moi, on ne serait pas là. Parce que nous sommes nés dans la dégénération. Mais la Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique Jésus. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. J'aimerais dire à quelqu'un qui est encore dans le péché, il y a une solution. Et la solution au péché, c'est le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si tu donnes ta vie à Jésus, aujourd'hui, il va te délivrer du péché et il va te donner la vie. Ce qu'on appelle la vie Zoé, la vie de Dieu, la vie en abondance. Dans l'esprit, tu vis, dans l'âme, tu vis, dans le corps, tu vis. Même la santé, il te donne. Non, la vie de Dieu touche aussi ta santé. La vie de Dieu touchera aussi tes finances. La vie de Dieu touchera aussi tes études. La vie de Dieu touchera ton mariage. La vie de Dieu touchera tes projets. Ça touchera tout ce qui est à toi. Jésus-Christ est venu pour régénérer l'homme qui a été dégénéré. Il est venu reformer l'homme qui a été déformé. Oh, je donnerai quelques raisons à quelqu'un qui a dit Dieu forme le péché et Satan déforme, mais Jésus réforme. Et le plan de la réformation, c'est la croix de Jésus. Oh, c'est pour cela que la Bible dit, je n'ai point honte. Il dit plutôt, la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est la puissance de Dieu. Oh, regarde ton voisin, dis-lui, la puissance de Dieu. Ah non, dis-le lui, Dieu, la puissance de Dieu. Amen, amen, amen. Qui veut vivre la puissance de Dieu? Ah non, pendant ce 21 jours, je t'assure, je te confirme, de la part de Dieu, tu vas vivre la puissance de Dieu. Alors regardez le plan de Dieu. Regardez ce que le diable fait. À chaque fois que Dieu commence une œuvre, le diable n'est pas loin. Et là, je voudrais dire à l'église, fille-là, ne pensons pas que parce qu'on prie, que le diable sera loin. Au contraire, plus on cherche Dieu, plus il rôde. Le piège, c'est de croire que après, vous allez voir, la plupart des grandes tentations arrivent après des moments de grandes victoires, comme le jeûne. Je voudrais te dire, après le jeûne, reste sur la montagne. Après le jeûne, reste vigilant. Comme ça, quand il va venir, tu dis, oh, tu n'as pas un endroit où tu vas passer. Est-ce que quelqu'un me suit? Dans Matthieu chapitre 13, la Bible nous donne une parabole. Dieu est venu. Le Fils de Dieu est venu, il a planté le blé. Pendant que les gens dormaient, son ennemi vint et planta l'ivraie. Écoutez. Donc, la stratégie du diable est laquelle? Est de savoir, lorsque Dieu commence une œuvre, Dieu te sauve, Dieu te donne un appel, Dieu veut t'emmener loin, lui, il va planter autour de toi des mauvaises herbes pour te corrompre, en vue de t'empêcher d'aller là où Dieu veut que tu ailles. Mais je suis venu t'annoncer de la part de Dieu. Aujourd'hui, il a lamentablement échoué. Livré, ça peut être le péché. Livré, ça peut être les mauvaises personnes, les mauvaises herbes, les épines qui étouffent la semence pour que la semence de Dieu ne puisse pas grandir. Bien aimé, la vie se trouve dans la semence. La grande dame que je vois devant moi, le grand monsieur que je vois devant moi, qui a commencé un embryon. Si on t'avait avorté, tu ne serais pas là aujourd'hui. Est-ce que tu comprends? Le fils-là qui a commencé, embryon, quelque chose de petit, a un plan.
Tu as un plan pour cette église pour que ça devienne grand demain. Mais attention, l'ennemi n'est pas loin. Il rôde. Quelqu'un me suit? Et lorsque l'ennemi vient, il met la confusion, la cisanie, pour qu'on perde de vue ce que Dieu a dit. C'est ce qu'il a fait. Dieu a parlé à Adam et Ève. Gardez les choses. Il les a mis dans le jardin pour le cultiver, le garder. Lui, il vient pour les séduire, pour les sortir du plan de Dieu. Alors, quand ces choses arrivent, qu'est-ce qu'on doit faire? C'est de là que je vais commencer maintenant ma prédication. Il faudrait d'abord arracher ce que le diable a planté avant de vivre l'implantation de Dieu. L'exemple est clair. Israël était une nation de Dieu. C'est le peuple de Dieu que Dieu avait choisi. Dieu a donné sa parole, son alliance. Dieu les a promis de faire de la tête et non la queue. Dieu a promis de les bénir, de faire d'eux une référence, une nation qui va briller, qui va être une lumière pour les nations dans le monde. Mais qu'est-ce que le diable fait? Il a envoyé des faux prophètes. Il a envoyé des ennemis livrés qui ont emmené un faux culte. Au lieu d'être des véritables adorateurs, ils ont commencé à corrompre leur culte. Ils ont perdu l'authenticité de Dieu. Ils vont perdre, n'est-ce pas, l'alliance. Ils vont être fidèles à l'alliance de Dieu. Et Dieu va permettre, à cause de cette désobéissance, qu'il y ait un châtiment. Il va y avoir la nation de Babylone qui va venir et qui va détruire Juda, qui va détruire Jérusalem. Il va y avoir des gens qui seront amenés en captivité. Et laissez-moi vous dire, à chaque fois qu'il y a des malheurs qui arrivent, très souvent, il y a une porte d'entrée qui donne accès à l'ennemi pour que le malheur nous atteigne. La Bible dit que le malheur, lorsqu'il atteint le juste, l'Éternel l'en délivre toujours. Mais si tu es dans un malheur où Dieu ne te délivre pas, regarde bien, certainement il y a une porte ouverte par laquelle l'ennemi est entré et t'es assiégé dans le but de te nuire, de voler ta paix, de voler ta joie, de voler ta santé, de voler tes projets, de voler ton avenir. Et Israël était perdu. La nation était dans le chaos. Et Dieu maintenant suscite un homme. Oh, pendant que je priais ce matin, je disais, Seigneur, qu'est-ce que j'apporte comme message ici? Il dit, parle-leur de l'implantation de Dieu. Oh, Dieu vous aime, hein? Je vous dis, Dieu vous aime. Quand Dieu donne des messages précis, cela veut dire qu'il y a un projet précis derrière ce message précis que Dieu envoie. Et la parole de Dieu court avec rapidité. Oh, Dieu appelle Jérémie. Dis avec moi, Jérémie. Ouvrons un peu une parenthèse sur ce personnage. Et je suis venu annoncer à quelqu'un que tu es le Jérémie que Dieu est en train de susciter. Quelques informations un peu concernant Jérémie. Le livre de Jérémie, première chose qu'il faut noter, le livre de Jérémie a été écrit, ce livre que nous venons de lire, a été écrit au 7e siècle avant Jésus-Christ, c'est-à-dire au 7e siècle avant que Jésus-Christ ne vienne sur la terre. Et c'est Jérémie même qui est l'auteur de ce livre. Deuxième chose, le nom Jérémie signifie que l'Éternel se lève. Que l'Éternel se lève. Oh, ma Bible me dit, quand l'Éternel se lève, ses ennemis se dispersent. En réalité, je suis venu te dire, lorsque les Jérémies sont en train de se lever, automatiquement dans l'autre camp, les ténèbres, les ennemis sont en train eux-mêmes de se... Je suis en train de voir une dispersion dans tous les sens. Ils vont tailler en pièces sans que personne ne les poursuive. Alléluia. Alléluia. Troisième information, c'est que Jérémie, il était un sacrificateur à Anathoth. C'est-à-dire, il était issu de la tribu de Lévi, parce que sous l'Ancienne Alliance, c'était les descendants de Lévi qui étaient sacrificateurs. Alléluia. Alléluia. Notamment la famille d'Aaron. Donc, il était de la famille d'Aaron. Et bien aimé, quand on parle de sacrificateurs, on parle de ceux-là qui bâtissent des ponts.
entre Dieu et les hommes, mais aussi entre les hommes entre eux. En tant que sacrificateur, Jérémie devait emmener le règne de Dieu, la gloire de Dieu sur la terre. Par les sacrifices, bâtir des ponts. Et les sacrificateurs préfiguraient le souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek qui devait venir en parlant de Jésus-Christ. Et la Bible dit, il y a un seul Dieu, mais aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, c'est Jésus-Christ. C'est-à-dire, en tant que sacrificateur, tu dois te rassurer que tous les membres de ta famille ont reçu Jésus pour être sauvés. Oh non, ne reste pas le seul à être sauvé. Tu as la responsabilité de prier et de chercher à ce que tous les autres de ta famille soient sauvés. Et je déclare que ta famille viendra. Le Saint-Esprit va les toucher. Au travers de ta vie et de ton témoignage, les membres de ta famille seront gagnés et ils viendront à Christ. Alléluia. Mais les sacrificateurs devaient aussi réconcilier les hommes entre eux. Et la Bible dit dans Apocalypse 1, verset 6, que Dieu a fait de nous un royaume des sacrificateurs. En d'autres termes, des rois et des sacrificateurs. Ceux-là qui dominent, mais aussi des prêtres, des sacrificateurs, étaient des adorateurs. Oh, mais je me rends compte que je suis dans la cité des adorateurs. Oh, dans la cité des adorateurs, on est obligé d'être un adorateur. Oh, laisse-moi te dire, le temps est révolu où il faut aller dans un endroit pour adorer seulement. Tu es un adorateur à tout moment et partout. Même sous la danse, tu peux adorer. L'heure vient, elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Sois un adorateur, un amoureux de Jésus. Oh, quelqu'un dit, je l'aime, je le kiffe. Ah, tu vois, non? Quand il parle, oh, il est mignon, elle est mignonne. Mon Dieu est mignon. Quand je regarde mon Dieu, je dis, qu'elle est beau, qu'elle est magnifique, qu'elle est belle. Viens avec moi, je suis un adorateur. L'adoration attire le ciel sur la terre. Et l'adoration fait que tous les problèmes de la terre montent au ciel et sont résolus. C'est pourquoi je suis venu te dire que tes problèmes sont déjà résolus. Le problème reste un adorateur. Jérémie était un adorateur. Alléluia. On n'est pas adorateur seulement quand tout va bien. Même quand tout va mal. Même quand tu perds tout. Ah, comme Job, il a tout perdu. Il dit, l'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que le nom de l'Éternel soit glorifié. Je suis venu dire à quelqu'un, quelle que soit la situation dans laquelle tu passes, ne perds pas l'adoration, ne perds pas de vue l'adoration. Reste à ses pieds, reste à l'adoration, cherche-le et il se glorifiera dans ta vie. Amen. Troisième chose que nous voyons, toujours ici, Jérémie va être appelé à Dieu, par Dieu, pardon, à devenir un prophète. Oh, un prophète, c'est qui? Un prophète, c'est un messager de Dieu. Un prophète, c'est un porte-parole de Dieu. Un prophète est un représentant de Dieu sur la terre. Il emmène le ainsi dit Dieu, ainsi dit l'Éternel. Il communique la pensée de Dieu aux hommes. Mais il n'était pas n'importe quel prophète. On l'appelait le prophète de malheur. On l'appelait le prophète de lamentation. Pourquoi? Parce qu'il ne prophétisait pas les bonnes choses. Le problème aujourd'hui, c'est quoi? Lorsqu'on entend le mot prophète, tout de suite, on s'entend à des bonnes prophéties. Qui t'a dit que les prophètes donnent toujours les bonnes prophéties? Moi, je regarde bien ces prophètes-là qui donnent toujours des bonnes prophéties. Qui ne voient jamais les péchés, mais qui voient l'argent dans la poche des gens. Non, tu ne m'as pas donné un amen. Il y a des prophètes, alors que tu es dans l'impudicité. Il ne va pas voir l'impudicité, mais il va voir oh, la grosse enveloppe que tu vas donner. Des prophètes de malheur. Bien aimé, le véritable prophète, c'est celui qui te dit la vérité pour te sauver. Qu'est-ce que serait un homme de gagner le monde s'il perd son âme? Le véritable prophète, c'est celui qui t'encourage quand tu es sur le droit chemin. Mais c'est celui qui te décourage lorsque tu empruntes un mauvais chemin. Un chemin qui mène en enfer.
bien-aimés, l'enfer existe. Et il ne faut pas oublier cela. Il était un prophète. Alors que tout le monde prophétisait la prospérité. Lui, il dit non, Dieu va détruire. On n'aime pas ce genre de message. Pourquoi Dieu va détruire? Dieu ne détruit pas parce qu'il a envie de détruire. Dieu détruit lorsqu'on viole ses principes. Parce que comment est-ce qu'il peut vous aider à prospérer alors que vous violez ses principes? Vous adorez des faux dieux, vous mélangez votre culte et vous voulez la bénédiction de Dieu. Comment veux-tu que Dieu te bénisse? Tu es un pied dedans dans l'église, un pied dans le monde. Non, sors du monde. Non, je ne te parle pas à toi, je parle à ceux qui nous suivent en ligne. Alléluia. Que Dieu suscite des prophètes comme Jérémie. Ils ont un message piquant. Leur message, c'est comme dit piment. Oh, je vois déjà quelqu'un ici. Ah, puis la cité des adorateurs qui va commencer à parler. Sa parole, ça sera comme du piment. Les prophètes de Dieu dérangent. On les aime lorsqu'on est droit. Mais lorsqu'on n'est pas droit, on les fuit. Oui. Le temps arrive quand tu arrives quelque part. Les amis vont commencer à te fuir. Non. Elle va déjà nous parler. On est mal habillé. Elle va déjà nous parler. On ne vit pas bien. Oui, c'est comme ça. Alléluia. Dis c'est comme ça. C'est comme ça. Oui. C'est quoi ces prophètes-là qui ne dérangent personne? Même pas le diable est dérangé. Il faut déranger le diable. Ce matin, pendant que je priais, j'intercédais, Dieu a ouvert mon esprit. Oh là là, j'ai vu, ça faisait longtemps, j'ai vu un être hideux, bizarre, qui m'observait. Et j'ai entendu la voix de l'esprit qui me dit, tu vois, j'ai permis que tu vois ça pour que tu saches qu'on t'observe. N'ose pas fauter. Craindre Dieu. En secret et en public. Pas faire donner une apparence en public de sainteté. Mais en coulisses où Dieu veut lever de Jérémie ici. Je dis Dieu veut lever de Jérémie ici. Je vous dis la vérité, Dieu veut lever de Jérémie ici. C'est par les Jérémies qu'il va avoir l'implantation de Dieu. Ah, donne-moi un bon amen. C'est par les Jérémies qu'il va avoir l'implantation de Dieu. Et Dieu dit à Jérémie, n'aie pas peur d'eux. Je rendrai ton front dur, mais pas ton cœur. Ton cœur doit être un cœur de chair, mais ton front doit être un front dur. C'est-à-dire quelqu'un qui n'a pas peur. Tu me regardes, je te regarde. Tu oses, j'ose. Oh, ce sont des hommes courageux. Je vois des gens qui ont le front dur ici. Des gens qui ont le courage du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas un esprit de timidité, un esprit de paresse. Non, c'est un esprit de force, de courage, d'autorité, de puissance. Alléluia. Et Dieu dit à Jérémie, avant que tu ne sois formé dans le sein de ta mère, je te connaissais. En fait, les Jérémie sont déjà connus avant même leur naissance. Avant même qu'ils sortent de l'institution de leur mère. Dieu dit, je t'avais déjà consacré, établi, prophète des nations. Et Dieu lui dit, n'aie pas peur. Regardez autre chose que Dieu dit à Jérémie. Il lui donne une mission. Il dit, tu iras. Pour qu'il y ait une plantation, il faut oser. Il faut être une église missionnaire. Il faut être un chrétien qui ose aller faire les choses. Oh, c'est pourquoi je te bénis. Malgré le jeûne, malgré la semaine dure, tu as quitté tes activités et tu es venu. C'est une preuve que tu es en train de t'équiper dans ce campement, dans ce camp de formation pour aller. Dieu est en train de te préparer. Dieu est en train de t'équiper. Et j'aime la préparation de Dieu. Ça se fait dans le secret. Ah, personne ne te voit, mais Dieu te voit. Tu es dans le garage spirituel. Tu es dans le garage de Dieu. Il est en train de t'aménager, de te réaménager, de te redonner la forme. Et bientôt, quand ça sera le temps, il dira maintenant, va. Et quand tu iras, tu ouvres simplement ta bouche. Des dégâts dans le monde des ténèbres. Oh, gare aux sorciers qui t'attaquent hier. Ah, quand tu vas les voir, tu dis, ah, tu ne me connais pas. Celui qui vit en moi est plus fort que toi.
toi qui es dans le monde. Est-ce que tu me suis? Va. Regarde ton voisin, tu lui va. Oh, merci Seigneur. Et puis le dit, tu diras tout ce que je te dirai. Dieu veut mettre sa parole en toi. Tous les enseignements que tu reçois, tous les messages que tu reçois, mange-les, avale-les. Ça constituera un dépôt spirituel en toi. Et c'est ce dépôt-là que tu vas exploiter maintenant pour commencer l'œuvre d'implantation. De la même manière que Dieu a commencé à implanter des choses en toi, de la même manière, au travers de toi, il va le faire avec les autres et il va y avoir une croissance, un accroissement, une multiplication, une expansion de ce qu'il a commencé. Amen. Et Dieu te dit, ne crains point, et du courage et de l'assurance, il est avec toi. Regardez maintenant Jérémie au chapitre 1er, toujours le verset 10. Il dit, regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations, sur les royaumes, pour que tu arraches, tu abattes, que tu ruines, tu détruises, afin que tu bâtisses et que tu plantes. Alors, avant de manifester l'implantation de Dieu, quand tu es appelé par Dieu, il faudra faire quatre choses. Il y a quatre actions qui précèdent l'implantation de Dieu. Allons-y vite et je vais aller vers la fin. Quatre actions. Première action, Dieu dit à Jérémie, tu dois arracher. Ça veut dire, il y a des choses autour de toi, voire même en toi, dans ta lignée, dans ta famille, que le diable avait mis en place. Des alliances, des pactes qui ont été signés, des liens familiaux qui te retenaient et qui t'empêchent en réalité d'aller plus loin. Parce que lorsqu'on est lié, on a une zone délimitée qu'on ne peut pas dépasser. Et quand tu veux dépasser, la tâche ou encore la chaîne te ramène à la case de départ. Je suis venu dire à quelqu'un, aujourd'hui, tu dois arracher, tu dois briser, tu dois retirer, tu dois enlever toutes les choses qui étaient comme des freins. Oh, si c'est le péché, c'est la repentance. Tu dis non, à partir d'aujourd'hui, j'abandonne ce péché. Je me rappelle, moi, quand je me suis converti, avant ma véritable conversion, j'allais à l'église, mais je n'étais pas vraiment converti. Vraiment, j'avoue, hein. J'avoue, dis l'avoue. J'allais, mais samedi, boîte. Papa, boîte, soirée, tu fais vraiment. Et dimanche, au robot, santo. Dans le jour où Jésus m'a rencontré, la lumière de Christ a pénétré ma vie. J'ai dit, à partir d'aujourd'hui, c'est fini. J'ai pris toute la musique mondaine. Personne ne m'a parlé. J'ai tout pris, j'ai cassé, j'ai jeté dans la poubelle. Ah, tu veux vivre l'implantation de Dieu. Dieu, ça ne se fait pas dans le mélange. Tu dois prendre la résolution d'arracher des choses. Tu es conscient dans ton âme des choses qui constituent des freins. Arrache-les. Arrache le péché. Ah, il y a un lien dans la famille. Commence à arracher cela dans la prière. Je dis, si dans ma famille, personne n'a échoué, je serai le premier à réussir. Et je suis en train de te le dire, parce que dans notre famille, dans la famille du ciel, on n'échoue jamais. Non, tu ne m'as pas compris. L'échec, c'est pour les gens qui sont terrestres. L'échec n'est pas pour ceux qui sont célestes. Les épreuves, oui. L'échec, non. Le désert, oui. Mais la défaite, non. Arrache. Dis, j'arrache. Et regarde ton voisin, Dieu lui arrache. Galates 1, verset 4, vous lirez. Arrache, Dieu veut nous arracher du présent siècle mauvais. Arrache, sois arraché du monde. Les plaisirs du monde, ce n'est que vanité. Sois arraché, vomis cela. Deuxième chose, il lui dit, je t'ai établi pour que tu abattes. Deuxième chose, tu dois abattre. Abattre, c'est renverser. Dis avec moi, renverser. Oh, tu dois renverser les forteresses. Vous savez, il y a quelque chose, à part les démons, qui empêche beaucoup de gens d'aller loin. Ce sont des forteresses. Ce sont des raisonnements bien établis en toi. Tu te dis, non, 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 non. C'est comme Gédéon. Le ange lui dit, vaillant héros. Il dit, non, ma famille est la plus pauvre des Manassé. Je suis le plus jeune. Regardez les forteresses. Dieu te dit quelque chose. Tu dis, non, 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 non. Tu regardes ton passé. Ton passé n'est pas la norme. Chacun de nous
du passé, mais mon futur est un mystère. Mon passé est connu, mon présent je le vois, mais mon futur est un mystère. Je suis venu te dire, tu vas rentrer dans ce mystère, dans le futur que Dieu a réservé pour toi, mais alors sors de forteresse. Dis, je suis un vaillant héros. Quand tu vois le problème, ne dis pas problème, dis opportunité pour trouver une solution. Commence à changer ton langage. Le médecin t'annonce, tu es malade, tu as un cancer, tu vas mourir. Dis non, 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 c'est une occasion où Dieu va manifester sa gloire. Tout le monde verra que Jésus guérit du cancer. Oh, j'ai une de mes nièces. Aujourd'hui, elle est partie au Canada. Qui chante de l'Éternel, une jeune pieuse. Un jour, elle m'annonce. Ah, daddy, on m'a trouvé avec un cancer. C'était compliqué. Pendant des mois et des mois, elle a perdu les cheveux, elle a perdu la santé. C'était grave. Les médecins ont donné des pronostics. Je lui disais, écoute, mon Dieu n'a pas dit son dernier mot. Un jour, je suis venu la voir à l'hôpital. Il y avait la famille. Tout le monde commençait à pleurer. Vous voyez son état, vous pleurez. Elle vomissait. C'était là, je suis sorti, je priais. Dieu m'a dit, non, je n'ai pas dit un dernier mot dans sa vie. Et je suis venu lui dire, je lui dis, Esther, tu sortiras de là et tu témoigneras la gloire de Dieu. Elle est sortie, elle a témoigné la gloire de Dieu. Elle s'est mariée, elle a rejoint son mari au Canada. Elle sert Dieu. Et je suis venu dire à quelqu'un, tu vas abattre les forteresses. Dis avec moi, je vais abattre les forteresses. Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Tu vas renverser les faux raisonnements. Qui t'a dit qu'à Paris, on n'avance pas? Tout dépend de ce que tu crois. Ce que tu crois aura l'influence sur toi. Abat ces choses. Pour que l'implantation de Dieu puisse prendre la place. 2 Corinthiens 10, versets 3 à 5. Troisième chose, il lui dit de ruiner les stratégies des méchants. Alors là, j'ai un texte qu'on va lire dans Job, chapitre 5, verset 12. Et j'aimerais que tu le lises avec moi. Job, chapitre 5, verset 12. Oh, merci Saint-Esprit. Job 5, verset 12. Il le dit ceci. Est-ce qu'on peut le lire ensemble si on a trouvé Job 5, verset 12? 1, 2, 3, nous pouvons lire ensemble. 1, 2, 3. Il anéantit les projets des hommes rusés et leurs mains ne peuvent les accomplir. Oh, ça veut dire qu'il y a des hommes rusés, il y a des ennemis, il y a des gens qui ne t'aiment pas. Je m'en fous de qui ne m'aime pas. Oh, tu ne m'aimes pas, c'est pas grave. J'ai déjà quelqu'un qui m'a aimé le premier. Avant que la mort ne t'aime. Son amour me suffit. D'ailleurs, puisqu'il m'aime, il va te convaincre de m'aimer. La Bible dit, quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose à son égard favorablement même les ennemis. En réalité, mes ennemis, en réalité, sont là pour mon élévation, pour ma promotion. Non, tu n'as pas compris, tu n'as pas bien compris. La Bible dit, il dresse une table en face de mes ennemis, de mes adversaires. Tu ne peux pas être roi si tu n'as que des amis. Tu as besoin des ennemis. Même Dieu a un ennemi, Satan. Et toi alors? Pourquoi quand tu as un ennemi, tu pleures? Oh, même pas. C'est pas grave. Le problème, c'est que toi, garde la vie de Dieu. Toi, garde la nature de Dieu. Alléluia. Je vois tous les projets de l'ennemi qui seront détruits, anéantis. Les projets qu'ils ont faits. Ils ont dit, tu dois mourir. Ceux qui ont causé la tombe, ils tomberont là-bas eux-mêmes. Non, tu ne mourras pas, tu vivras et toi, tu raconteras les œuvres de l'Éternel. Oui. Quatrième chose, il me dit, tu dois détruire. Avant d'implanter, il faut détruire. Détruire quoi? Détruire les œuvres du diable. 1 Jean 3, verset 8. 1 Jean 3, verset 8, la Bible dit que le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. Bien-aimés, vous n'avez aucune idée des œuvres du diable dans le monde. Non, Satan travaille. Et je vous assure, vous ne le voyez pas, mais il travaille vraiment.
de diverses manières. Mais tu dois comprendre que tu as voix à un ennemi. Alors comment détruire les œuvres du diable? Ne te lève pas seulement, j'ai chasse, j'ai détruit, j'envoie les fées. Faya, faya, faya. Non, 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 non. Avant de faire ça, rassure-toi que tu es soumis à Dieu. La Bible dit, soumettez-vous à Dieu, résistez au diable, et il fuira. Le problème, c'est qu'on envoie les fées. Oh, je lis, nous lions, nous lions, nous lions, nous lions, au nom de Jésus. Mais quand on te regarde, c'est toi qui lis, il y a un problème. Non, je suis pas lié. Non! Oh, quand tu te soumets à Dieu, tu rentres dans, le pouvoir de Dieu, dans la domination. Qu'est-ce qu'il a dit? Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, rien ne pourra vous nuire. Je vois quelqu'un qui va détruire tout à l'heure. Ah, pendant que nous allons terminer le message, tu vas commencer à tailler, à briser, à renverser les plans du diable. Les œuvres du diable vont être détruites. Tu as une âme qu'on appelle le nom de Jésus. C'est le bazooka spirituel. Ah, c'est un pistolet spirituel. Ah, c'est le pistolet spirituel. Tu vas utiliser le nom de Jésus. La Bible dit, au nom de Jésus, ton genou fléchit dans les cieux, sur la terre et sous la terre et toute la conquête que Jésus est Seigneur. À la gloire de Dieu Père. Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu m'entends? Dis, je vais arracher. Non, qu'on fait, dis, je vais arracher. Dis, je vais abattre. Je vais ruiner. Et je vais détruire. Non, dis, je vais détruire. Ah, maintenant, quand tu as fini de faire ces choses, le temps arrive maintenant où tu dois implanter les choses. Je suis venu t'irapir la cité des adorateurs. Le temps vient où tu vas bâtir et tu vas planter. Bâtir, c'est construire. Bâtir, c'est édifier. Oh, je vois Dieu commencer à bâtir d'abord des vies. Avant que Dieu bâtisse des projets avec toi, il va te bâtir d'abord. Tu dois être avant de devenir et de faire. Oh, beaucoup de choses sont dans les apparences. Le temps est fini, tu dois sortir de la superficialité des apparences. Tu dois être tel il est, tel je suis, tel nous sommes. Oh, laisse Dieu te bâtir. Laisse Dieu bâtir sa vie en toi. Alléluia. Alléluia. J'ai noté quelques points rapidement avant de clore ce message dans l'implantation. Quand Dieu veut implanter, il y a au moins quatre choses qui entrent en compte. La première des choses, il va t'ensemencer par la semence de ta parole. Est-ce que tu sais que Dieu aussi rend quelqu'un enceinte? J'ai choqué quelqu'un. Oui. Quand tu reçois la parole de Dieu, tu deviens enceinte. Parce que la Bible dit dans 1 Pierre 1, 23, que la parole de Dieu, c'est la sémence incorruptible. Quand on a la sémence, c'est qu'on est enceinte. Oh, ne me regardez pas comme ça. Je suis enceinte. Je porte une parole. Je porte un message. J'ai la parole. Est-ce que tu m'entends? Je porte une parole. La parole de Dieu que je reçois, c'est Dieu qui est en train de m'enceinter. Et toutes ces mots poussent, toutes ces mots produisent. Je suis venu de dire, la parole de Dieu ne retourne pas à Dieu sans effet. Ah, il y aura des effets. Oh, est-ce que je peux parler à quelqu'un? Avant de finir, je suis venu de dire, tu vas, avant de sortir de cette interview, tu vas vivre les effets de la parole, les effets de la grossesse. C'est une grossesse spirituelle. Attention, ce n'est pas une grossesse physique, c'est une grossesse spirituelle, mais une grossesse qui va arriver à terme. C'est pourquoi il a dit, dans Habakkuk, il dit écris la prophétie, écris la parole. C'est une prophétie dans le temps est déjà fixée. Quand une femme est enceinte, aujourd'hui, elle n'en dit pas aujourd'hui. Il faut un temps, il faut 9 mois. Ah, pendant les 9 mois, le bébé pousse. La Bible aussi est éteinte à tout le monde. Elle s'accomplira. Elle s'accomplira. Certainement. Ah, je suis venu t'annoncer de la part de Dieu. La parole de Dieu va s'accomplir. Tu vas accoucher. Tu vas. Qu'est-ce que Dieu t'a promis? Il a promis faire de toi quelqu'un de glorieux. Ah, une étoile qui va briller au milieu de l'obscurité. Il va faire de toi un flambeau au milieu d'une génération perverse et corrompue. Qu'est-ce qu'il t'a promis? Il va faire de toi la tête et la queue. Tu seras en haut et non en bas. Qu'est-ce qu'il t'a promis? Tu as des projets en toi. Et je connais les projets
que ce soit le futur, projet de paix et non de malheur, mais c'est dans le Seigneur, et tu es espérance. Je suis venu de la gloire, le projet de Dieu, la semence de Dieu, il s'accomplit. Ce n'est qu'une question de temps, viens avec moi, une question de temps. Quand tu mets une semence aujourd'hui à terre, ça ne pousse pas le même jour. Mais attends un peu, attends un peu. Le problème, c'est qu'on est trop pressé. Viens, ton ami, ne sois pas pressé avec ma vie. Aujourd'hui, beaucoup de gens sont dans la course. Ils ne sont pas dans une course. Non, mon temps n'est pas ton temps n'est pas mon temps. Je m'inspire quand Dieu fait avec toi. Je dis, oh, gloire à Dieu. Mais mon temps arrive. Lorsqu'on va à la boulangerie et qu'il y a une queue, chacun sera servi. Quand quelqu'un qui est devant est servi, ton tour va arriver. Je suis venu dans quelqu'un, chacun à son tour. Mais le temps de Dieu arrive pour toi. Le temps de Dieu est le meilleur. Avant le temps, ce n'est pas le temps. Avant le temps, ce n'est pas le temps. C'est aujourd'hui le temps de Dieu. C'est aujourd'hui le jour de Dieu. C'est aujourd'hui le jour de la visitation de Dieu. Donne-moi un bon amen. Donne-moi un bon amen. Ah, quand tu reçois la parole, tu reçois en même temps le nom de Jésus. Fille-là, tu dois connaître Jésus. Ah, la parole nous présente une seule personne, la personne de Jésus-Christ. J'aimerais te dire, même quand tu es arraché, tu es détruit, tu ne dois pas te focaliser sur les démons. Tu ne dois pas te focaliser sur le diable. Non, c'est une distraction que de se focaliser sur lui. Lui, c'est un petit qui a déjà été vaincu. C'est un serpent dont la tête est déjà coupée et que la queue qui danse. Comment ça peut t'intimider alors que Jésus te demande de regarder à lui? Oh, ayant le regard sur Jésus, qui suscite la foi et qui l'amène à la perfection. Je suis en train de voir des prophètes ici et des prophètes ici, des hommes de foi et des femmes de foi, des hommes qui font des actes. Les autres disent, on va aller. Alléluia. Jésus, dis avec moi, Jésus. Paul a dit que personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. Plus tu le connais, plus tu es libre. Il dit, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Et qui est la vérité? C'est Jésus. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Plus tu connais Jésus, plus tu es délivré. Je ne te demande pas de me connaître. Tu peux me connaître, mais tu ne connais pas qu'une partie de moi. Parce que personne ne peut te connaître à 100%. Mais tu peux connaître Jésus par le Saint-Esprit. Et mieux tu le connais, mieux tu es libre. Je vois des gens qui sont libres et qui vont rentrer dans leur destinée. Va implanter des choses parce qu'il a eu la connaissance. Alléluia. Et la dernière chose, dans l'implantation, tu as besoin du Saint-Esprit. Dis avec moi le Saint-Esprit. Dis le Saint-Esprit. Celui qui fait que la parole devienne vie. C'est l'Esprit qui se mouvait au-dessus des eaux. Oh, l'Esprit de gloire, l'Esprit de sainteté. Bien-aimé, quand il vient et commence à implanter, c'est Dieu qui va t'imposer au milieu de tes ennemis. J'ai appris quelque chose avec Dieu, de ne jamais résister face à l'opposition. Je m'humilie sous la main puissante de Dieu. Dieu m'élève au temps convenable. Les ennemis que vous voyez, Moïse a dit, les Égyptiens que vous voyez, vous ne le reverrez plus jamais. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le Saint-Esprit est venu, il a soufflé un vent, la mer s'est séparée en deux, ils sont passés à sec. Quand les ennemis ont voulu suivre, ce n'était pas pour eux, parce qu'ils n'ont pas le Saint-Esprit. Oh, je suis venu te dire, tes ennemis vont tomber dans leur propre trou, parce que Dieu, par son esprit, va te qualifier. Lorsque l'église est née, il y a eu beaucoup de détracteurs, beaucoup de gens qui ont voulu s'opposer aux apôtres. Mais le jour de la Pentecôte, quelque chose s'est passé. La Bible a eu un bruit comme violent, comme celui d'un vrai impétueux qui a passé par eux, qui a rempli toute la maison. Ils étaient assis dans les arbres, semblables de l'homme de feu. Ils apparaient séparés les uns des autres. Ils se posaient sur chacun d'eux. Ah, c'était l'implantation de l'église. C'était l'implantation. C'était l'implantation d'un nouvel organisme qui allait glorifier Jésus, qui allait briller, alléluia, comme la lumière au sein des ténèbres. Ils ont tout fait pour les arrêter. On les a battus. On a pris les apôtres, on les a battus. On les a mis en prison. Le lendemain, l'ange a ouvert la porte, ils sont sortis. Les gens ne comprenaient pas. Mais qu'est-ce qui s'est passé, bien-aimé? Tu es instoppable. Tu es inarrêtable. Ah, tu es immortel. J'aime dans ma langue, tu es inconfamable. Dis avec moi, je suis inconfamable.
Je le dis en français, hein, Bishop, infamable, infamable, comme on dirait en français, je suis immortel. Tu ne peux pas me toucher avant le temps. Même Jésus n'est pas mort avant le temps. Quand son père est arrivé, il dit, maintenant c'est votre heure. Avant le temps, il s'est échappé. Je suis venu de lui, personne ne t'arrêtera. Ni un homme, ni une femme. Ce que Dieu a commencé, il va l'achever. Ce que Dieu a commencé, c'est une affaire de Dieu et non une affaire d'homme. C'est pourquoi, oh non, Dieu, oh non, le Saint-Esprit. Oh, dis Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Il a dit dans les derniers jours, dis Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront des Jérémies qui doivent être des canaux par lesquels Dieu va implanter. Implanter quoi? La vie de Dieu en toi. Implanter quoi? Un témoignage de Jésus. Implanter les projets de Dieu. Implanter l'évangélisation. Gagner les nations. Dieu compte sur toi. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus. Tenons-nous debout dans sa présence. Tenons-nous debout, s'il vous plaît, dans sa présence quelques minutes. Alléluia. Levons nos mains vers Dieu. Merveilleux Jésus. Commence à remercier d'abord Dieu pour sa parole. Remercie Dieu. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Je ne sais pas s'il t'a touché, s'il t'a parlé. Mais moi, il m'a parlé. Il m'a dit, dis-leur. Je cherche des Jérémie. Au travers de qui je vais implanter mon œuvre. L'ombre du Tout-Puissant se manifestera au travers d'eux. Ils seront sous les regards de Dieu. L'onction de Dieu les visitera et les touchera. Prions, prions le Seigneur, prions le Seigneur, prions le Seigneur. Les chantres peuvent venir, s'il vous plaît. Et il est en train, au travers du métaux de sa parole,
d'avancer, de faire des choses avec Dieu, mais vous sentez comme si il y a des forces qui vous retiennent pour vous emmener en arrière. C'est la vision que Dieu me montre. Si vous êtes là, n'hésitez pas à venir rapidement devant ici. Je vais prier avec vous. Vous sentez comme des forces qui vous tirent en arrière. Le monde vous attire. La vie du passé vous attire. Il y a comme cette force de pesanteur qui veut vous tirer vers le bas. Oh non, tu ne seras pas tiré vers le bas. Dieu veut t'emmener plus haut, plus loin. Il dit, mon serviteur prospérera, mon serviteur montera, il se levera, et il se levera bien haut. Levez vos mains, vous êtes... Thank you.
Thank you.
Quand on pense, on a besoin de la beauté. On a besoin de la foule. Quelqu'un est en train de planter. On a besoin de la vie d'en haut. Et bientôt, on va faire affaire de cette foule. Quelqu'un est en train encore de planter. Quelqu'un est en train de faire la forme de vie.
Je suis le plus grand. 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 Je suis le plus gr
Thank you.